Eh bien, bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Melvin 90100 pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve sur Call of Duty Black Ops. Donc, Call of Duty Black Ops, un jeu que j'ai depuis un petit temps déjà. Ça fait un petit temps que je l'ai, mais je vous ai pas encore fait sa review. Donc, voilà, c'est là maintenant que je vous la fais. Donc j'espère que ça vous plaira, hein. Enfin une review, voilà, une petite vidéo sur ce jeu que je trouve vraiment pas mal. Donc là, nous sommes dans le menu. Donc appuyez sur la touche Start, Call of Duty Black Ops, c'est tout. Normal. Et là, nous sommes vraiment là dans le menu. Donc nous sommes un détenu, comme vous pouvez le voir ici. On peut bouger la caméra grâce au stick analogique droit. Et ensuite, vous avez le menu ici avec les flèches, tout ça. Ne me dites pas dans les commentaires, si au cas où il y en a qui y pensent et qui le savent, qu'on peut se détacher, parce que je le sais très bien qu'on peut se détacher. Et j'ai même fait le code derrière sur l'ordi pour avoir, je ne sais plus pour avoir quoi, mais bon, pour avoir quelque chose, mais je sais plus quoi. Bref, alors. On va donc là, vous avez la campagne multijoueur zombie qui est vraiment pas mal, que j'ai découvert, je ne connaissais pas avant. Et ensuite multijoueur, donc nous allons aller en multijoueur, c'est normal. Un jeu qui donne une très belle impression, même je l'avais aperçu chez des membres de ma famille, mais je n'avais pas spécialement aimé la texture. Mais une fois qu'on connaît Call of, parce que j'ai connu Call of grâce à MW3, une fois qu'on connaît Call of, on voit que ce n'est pas si décevant en fait. C'est quand même pas mal. Là, petite parenthèse, vous pouvez voir en bas à gauche Black Ops 2, officiellement dévoilé, rendez-vous sur Tatata. Bref, donc là vous avez plusieurs onglets. Je vais aller dans PlayStation Network et je vais aller dans Matchmaking Ami. Donc c'est normal, donc je suis niveau 35. Voilà. Donc vite fait pour vous montrer mes classes, je joue pharmacie. Toutes mes classes sont au silencieux, sauf le snipe. Je joue au FAMAS. Je joue au FAMAS Python, Semtex Paralysante C4 et ensuite Fantôme, Tour de Passoire, Pirate. Je vais pas vous énumérer tout, vous regardez et vous mémorisez. Je vous laisse quelques minutes sur chaque classe. Donc voilà, c'est les classes que j'utilise pour ce jeu. Ensuite, nous avons un système de contrat avec de l'argent. Donc, ce sont des défis si vous voulez à acheter si vous connaissez pas Black Ops. Et ensuite, vous avez les séries de victimes. Donc, moi, je vais jouer colis stratégique, hélico d'attaque, artilleur d'hélico. Je sais pas si je vais débloquer l'artilleur. Je vais vous le dire franchement, je l'ai jamais débloqué, mais je n'ai jamais non plus cherché à le débloquer, hein. On va aller en simple. Et on va faire de la demi. Donc sérieusement, et puis là la musique de fond, je l'adore. C'est un truc vraiment pas mal. Donc vous pouvez voir que maintenant je filme toujours avec le Dazzle. Mais je tiens à vous dire que je ferai une vidéo comment brancher et installer son Dazzle. Enfin, une méthode de branchement de Dazzle. Parce que quand moi je voulais le brancher, il y avait plusieurs méthodes que j'avais vues sur YouTube. Donc voilà. Allez, allez. Par contre, le chargement est un tout petit peu long. Je vais jouer à l'aug. Je vais vous montrer un peu les armes que j'utilise pour que vous ayez un peu de tout. Bon, c'est du live, je tiens à le dire. Donc, je sais pas comment je vais m'en sortir. Par contre, là, on se prend une dérouillée. Regardez ça, on se prend une dérouillée. Ah, voilà. Bon, ben c'est déjà fini, écoutez. Je les mets mieux pour pas que vous les entendiez. Donc voilà, bon, c'était la fin de la partie. Peut-être léger fail, mais bon. J'ai envie de dire, on choisit pas. Par contre, vous avez pu voir là, l'arme en or. Mais je trouve que les armes en or sur Black Ops sont tout simplement sublimes. Elles sont sublimes, il n'y a rien à redire.
Je préfère largement cette texture d'or de Black Ops que MW3 ou voilà d'autres Call of. Donc, en attendant que la partie se lance, j'ai une minute à peu près. Je tiens à vous dire que la semaine qui suit, malheureusement, je serai absent. Donc, je ne pourrai pas faire de vidéo sur l'intégrale ou des gameplays. Donc, je serai absent de chez moi. C'est pour ça que je reviendrai le vendredi. Je ferai une vidéo le week-end. Voilà. Je ferai peut-être une vidéo IRL là-bas où je vais aller. Donc voilà, on va aller sur la map jungle. Vite fait, je vous montre vite fait mon emblème. Je sais que vous en avez rien à cirer, mais bon. J'ai envie de le montrer. Le 90 qui symbolise 90 100 de Melvin 90 100. Et c'est parti. Je tiens à dire, ce n'est pas encore officiel, mais c'est très 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 probable que peut-être avant de partir, je dis bien peut-être, oui, peut-être, que. Je ferai une vidéo sur Call of Duty Modern Warfare premier du nom. Tout simplement, je dis que ce n'est pas officiel car nous ne l'avons pas encore commandé. Comme d'habitude, ça sera sur Amazon. Mais une fois que j'aurai commandé, déjà je vous le ferai savoir. Et 2 jours plus tard, je le recevrai. Voilà. Donc là, je joue à l'AK-74U. J'adore cette arme. J'adore aussi. Comment ça s'appelle-t-il? Le camouflage. Donc attendez, nous allons chercher les ennemis. Je ne vais pas aller sur A tout simplement pour pas me faire repérer. Ok, ici, cul-de-sac. Je suis désolé si je suis un peu naïve. Si je suis un peu naïf au niveau des maps. Mais ça fait un petit temps que je n'ai pas joué à ce jeu. Bravo, sécurisé. Il y a une RCXD. Je l'entends avec mon casque. Et le gentil monsieur nous l'a dit. Il y en a un derrière la maison, non? Mais. Ah punaise, la RCXD. Mais il y en avait un derrière la maison, j'ai pas rêvé. Parce que là, il y en a un là. Voilà. Donc là, je vois que j'ai tour de passe-passe. Aussi, donc je vais vous parler dans cette vidéo de Black Ops 2. J'ai vu. D'accord. J'ai vu le trailer dès sa sortie, quasiment. Non! Attendez. Je me concentre 2 secondes. Je ne voyais pas l'ennemi. Oui, qu'est-ce que je disais? Oui, donc j'ai vu à quelques minutes à la sortie du trailer, le trailer justement, et mon avis est plutôt positif. C'est vrai que le trailer est basé sur le solo, mais ça nous pose quand même des questions dessus parce qu'il est assez original justement ce trailer et il nous fait réfléchir. Et il peut, vu que normalement un solo se rapporte quand même au multijoueur, enfin plutôt l'inverse, le multijoueur se rapporte au solo. Mais vous m'avez compris. Ah, mais on meurt depuis là? Ah, epic fail. Ah, je savais pas qu'on mourrait depuis là. Je pensais que je pouvais avoir un gros hit marqueur, mais bon. Voilà, bah oui. Ainsi, c'est pas génial, génial. Bon, je suis en live. Hein. Donc oui, ça peut apporter quelque chose de pas mal, hein, ce Call of Duty. Moi, j'attends vraiment. Je vous annonce que je vais l'acheter. Hein. Bon, j'ai envie de dire, je vais même le précommander pour l'avoir très tôt, pour vite me familiariser avec. Pour que je pense que je vous ferai en live ma première partie sur ce jeu. Et bon, j'ai envie de dire, comme beaucoup des Call of Duty, normalement dès la sortie, on n'est pas déçu normalement.
Bah, c'était tr ça serait étrange d'être déçu. Mortier ennemi en approche. Il l'a volé. Colis stratégique allié en route. Mais oh, vous êtes sérieux que là je l'ai pas tué quoi? Notre avion non, mais je suis sérieux, c'est pas légèrement abusé là? Ah, MW3, MW3. C'est un Call of Duty, sérieusement, même s'il subit beaucoup de critiques, moi, pour l'instant, c'est le meilleur Call of Duty auquel j'ai joué. Black Ops est le... arrive second. Mais regardez ça, je... Mais tout à l'heure, par contre, c'était abusé sur le pont, j'avais tué, quoi. Oh. Combien de marquages je vais faire, t'enfoiré, quoi. Non, mais là, attendez, sérieux, je suis sérieux. Vous voulez faire quoi là? Je peux absolument rien faire. J'essaie de me rattraper pour l'honneur. Écoutez. Mais vous savez quoi? On va se mettre au snipe. On va se poser. Attends, quand je dis on va se poser, je vais pas camper. Hein. C'est juste que je vais faire gaffe à ce que je fais. Allez, ah, voilà, come back. Hop. Le snipe, même si beaucoup disent qu'il a été dévalorisé dans Black Ops, c'est vrai. Je ne vais pas le nier. C'est vrai que dans, par exemple, MW3, il a été même favorisé, le snipe. Oula. Bah oui, bah, je suis désolé, mais là je pouvais rien faire. Hein. Je savais pas qu'il allait arriver. Bah, moi j'aime plutôt bien le snipe. Sérieusement, c'est pas facile de quickscoper. Bon, là je me suis foiré. C'est pas facile de quickscoper, mais c'est faisable. Il faut juste viser à peine plus longtemps. C'est ce que je vous conseille. Je vous conseille de garder le viseur un tout petit peu plus longtemps que sur MW3, etc. Voilà. En plus, voilà, vous avez un gameplay. De moi en exclusivité au snipe. Parce que je crois que... Bah, j'ai fait des noscopes là tout simplement parce qu'il était à côté de moi. Hein, donc j'ai envie de dire, j'avais une chance sur... Bah, je sais pas, sur... sur 5 de le toucher quoi. J'ai joué aussi avec mon arme secondaire. Voilà, on a gagné, écoute. On sécurise, bravo. Mais regardez ça, sérieusement, à ma place, vous ferez quoi là? J'ai pas fait exprès de lancer la grenade, je suis désolé. Je n'ai pas fait exprès du tout. Non, attendez là, faut faire quelque chose sérieusement. On va prendre le FAMAS. Je vous fais un gameplay avec, avec plein d'armes, mais 4-16 quoi, mais attendez. Je suis sérieux. Et je vais coller dessus. Oh, je suis trop fort. Je suis excellent. Bah oui, non mais. Je sais même pas comment il savait que j'étais là en plus, enfoiré. Attention, je dis enfoiré, mais je ne le pense entre guillemets pas. Hein, sûr qu'intérieurement, je me dis, punaise, comment il savait que j'étais là Oula. Ah, mais allez, de loin, là, je pouvais rien faire, sérieusement. En plus, je suis obligé de jouer en câble RCA pour vous présenter un gameplay au Dazzle. Allez. Mais sérieusement, non mais là, c'est moi ou je voudrais savoir qu'est-ce qui se passe là. C'est pas possible de... Non mais c'est quoi ça? Non mais sérieusement, mais allez-y quoi. Mais... Il m'enchaîne moi. Bah oui, par derrière c'est tellement plus simple. Hein. Ah là là.
Call of Duty, toute une histoire. Mais vous voulez faire quoi? Vous voulez faire quoi? Ah bah allez, bah bien sûr. Ça m'énerve ça, les... Les gens, je sais pas si... Ouais bah allez les chiens maintenant, mais bien sûr. Tant qu'à faire, hein, écoutez. T'as appelé les chiens vu qu'ils savent pas qu'il est tout seul. Allez, toi t'es là, je t'ai vu. Voilà. Attention là, c'était pas pute là ce que je viens de faire, hein, si au cas où vous... Vous dites oh putain c'est pute machin. C'est pas pute, hein, c'était... Voilà. Bah oui, bah 2 minutes. Par contre, c'est vrai que les voix sont horribles. Sur sur Black Ops, les voix sont simplement horribles. Elles, en français, en tout cas, elles ne passent pas du tout. Elles passent pas bien du tout. Je vais les contourner, écoutez. Bah, si on me laisse contourner... Non là j'étais dessus là oh. Non mais j'ai limite envie de la refaire quoi. Punaise, ça fait déjà 15 minutes qu'on enregistre. Et ben écoutez, pour votre plus grand plaisir, je vais prendre ma revanche. Ça va faire une vidéo de 25 minutes, 30 minutes. Mais bon, faut prendre le temps qu'il faut. Hein. Le temps qui court. Nanana. Bon, d'accord, j'arrête. je vous l'ai dit. Oui, je vous l'ai dit que j'allais avoir Call of Duty 4. Hein. Je me perds dans mes... Dans mes paroles. Call of Duty 4. Je me demande vraiment comment il est. J'ai jamais joué de ma vie. Hein. Les Call of Duty auxquels j'ai joué, c'est 3, 6, 7, 8. On verra ce que ça donnera hein, une fois que je l'aurai. Elle devrait, si c'est rapide, elle devrait paraître ce week-end, la vidéo. Et sinon, ça sera le week-end prochain. Écoutez, ça sera ma vidéo de retour. En tout cas, c'est sûr que je vais l'enregistrer juste avant de partir. Après, est-ce que j'aurai le temps de l'upload? J'en sais rien. Ou au pire, j'upload où je vais aller. Hein. C'est au même endroit que la dernière fois, mais sauf que voilà, j'aurai un bas débit quoi. Et nous sommes sur la map Cracked. Et bah écoutez, allons-y. Hein. Soyons fous. Ah, et je voudrais savoir dans les commentaires, mettez-moi ce que vous pensez de la qualité du Dazzle. Je trouve que c'est vraiment pas mal pour un Dazzle. Ça passe pas trop mal. Allez, c'est parti, FAMAS. J'ai pas joué encore au Galil, et ben je joue au Galil. Bon, c'est parti. Je prends officiellement ma revanche. Non, parce que là, sérieusement, c'était pas possible, quoi. Une grenade, allez. Je les ai vus. Ah, mais lui, je l'avais pas vu, bah oui. Il fallait s'en douter qu'il y en allait un qui allait être malin dans leur équipe et qui allait contourner, quoi. Mais moi, j'ai pas été malin et puis j'ai foncé d'être baissé. Non, sérieusement, je vais essayer de pas trop parler de la jeu stratégique, là, pour l'honneur de YouTube. Donc là je suis dans leur base, enfin je suis dans leur spawn. Je prends passer tout simplement pour rester le plus discret possible. Si au cas où vous vous demandez. Est-ce normal que je vois aucun ennemi? Non mais regardez ça quoi, mais regardez ça.
là. Ce Black Ops, on en aura fait voir, hein. Jusque sur YouTube. Dans Black Ops, par contre, les maps sont pas trop mal. J'ai pas vraiment de map que je préfère ou que j'aime moins. Oh, reviens là, toi. Il y en a un autre? Ah non, mais attendez, il était vivant celui-là! Non, vous êtes sérieux. Tireur d'élite pro, tu me manques. Voilà, ça c'est dit. Alors, c'est moi ou c'est pas moi? C'est pas juste, j'ai fait une assistance. Et ce que j'aime bien dans Black Ops, c'est que les points d'assistance sont bien répartis. Mais non, mais... Et si vous dites pourquoi il a pas cuté, c'est normal. Je n'ai pas du tout le réflexe de cuter. Alors, hein? Tiens, je te prends ton AK-47 en or. Au moins, les gens pourront voir l'or. Arrêtez l'or. Ah, dommage qu'il y a l'emblème qui gâche tout. Bon, il est sympa l'emblème, hein, je dis pas, mais bon. Ça gâche l'arme. Alors on va les rush. Ah, putain, mais quelle larve. Comment on monte là-haut? Comment on monte, c'est où il est monté là? Je tiens aussi à dire que je vais faire bientôt des vidéos sur Battlefield. Non, allez, vas-y, reviens là, toi. Commence pas à m'embêter. On a perdu B. Ah, dommage, j'avais la triple devant moi, là. Hein. J'avais la triple, c'était pas mal. C'est vrai que j'utilise même plus le Galil depuis que j'ai la K-47, là. Bah, allez, bah oui. Ah oui, ah, j'ai oublié de parler de ça. Dans Call of Duty Black Ops, si vous ne connaissez pas ça, sur PS3, quand vous appuyez longtemps en courant, si vous voulez vous baisser, enfin vous coucher en courant, et ben ça vous fera plonger comme ceci. Et ça peut être pas mal si on gère bien la plongée, quoi. Allez, on est au L. Putain. Oh, mais lui, le cut, ça, je n'ai pas du tout le réflexe, ça, mais. Je n'ai pas le réflexe. Déjà, je joue en tactique. On a perdu, bravo. Voilà, lui, il est mort. J'ai envie de dire, je m'en sors mieux qu'avant. 7-8, 7-8 ou 7-6? Non, 7-6, 7-6. Je vous annonce le score parce que je crois quand même qu'avec le Dazzle... On sécurise, ah. Bah, oh! Il prend ses balles ou bien? Oula. Ouh là, on se fait allumer. On se fait allumer les fesses. Faut prendre A, les gars. Enfin, ils m'entendent pas, mais bon, faut prendre A. Faut prendre A. On sécurise Alpha. Allez, toi qui es là, viens. Putain. Voilà, vas-y, viens. Voilà. Point A sécurisé. Bon, au moins je te donnais des points, t'es content, hein. Ah là là, les gens, je vous jure. On va perdre, Charlie. Bon, je vais vous proposer sur ce jeu des parties seul ou accompagné du mode zombie. Enfin, j'espère que je pourrai vous en proposer parce que ce serait pas mal. Là, je l'ai vu. Voilà. Oh, 5 d'affilée, vous êtes sérieux là? Oh. La mob. Non, ça c'est dommage, ça, sur Black Ops qu'il n'y a pas de bombe nucléaire. Qui a fait son apparition sur MW2. Bon, on va voir ce qu'il y a dedans. Un mitrailleur, ou je sais pas quoi, ça serait bien. Allez, on va attendre le colis patiemment. Et c'est... un avion anti-espion. Ok. Là, je l'ai vu passer.
Non mais attendez, là faut quand même pas déconner là. Voilà. Avion anti-espion actif. Ils sont à Voilà, j'ai mis l'avion anti-espion. Parce que tout simplement, je suis en série et j'ai pas envie de me faire tuer bêtement. J'aimerais bien voir le reste. Le reste. Oui, le reste de mes killstreaks. Bah voilà, bah bien sûr, bah oui. Et en plus au petit gun il m'a. Mais attendez, attendez, je vais me le faire parce que là il m'a saoulé là, c'est bon. C'est bon là il m'a. Ah là là. On va perdre, bravo. Regardez-moi ça quoi. Comment j'ai fait 500 avec un kill? Bon, on va pas chercher, écoutez. J'ai dû faire une pleine tête, cross the map, wallbang. Ah, dommage. Eh ben, ça se passe mieux, 13-8, écoutez. Ça, c'est l'espoir que je préfère. Bah oui, donc au final, magnifique jeu, hein. Sérieusement, il n'y a rien à dire. Moi, pas, je dirais pas mieux qu'MW3, mais comme j'ai envie de dire, j'ai commencé sur MW3, alors il va prendre ses balles celui-là. Bon, ok. J'ai commencé sur MW3, donc il est peut-être normal que je préfère MW3. C'est comme beaucoup, mais alors beaucoup de personnes ont commencé avec MW2, donc préfèrent MW2. Alors que moi, je vous le cache pas, MW2, je ne le porte pas dans mon cœur. C'est vraiment un Call of Duty. Je m'y fais pas, j'accroche pas. Sérieusement, il y en avait un là, il y en avait un là, attendez. Ah oui, bah si ça. Si vous êtes encore là dans la vidéo, mettez dans les commentaires votre Call of Duty préféré. Ça pourrait être sympa. On peut voir que quand même niveau graphisme, c'est pas trop mal. C'est sympa. J'ai envie de dire ça comme ça, c'est ça. D'accord, j'ai envie de dire ça, c'est sympa. J'ai pas envie de dire c'est beau, mais c'est sympa. Regardez, je vous donne une vue. C'est pas trop mal. Bon, ben, la partie commence à toucher à sa fin. Maintenant, on va faire un petit road to kill cam. Là, donc là, je m'en fous complètement de mon ratio, je sais pas quoi. Je vais tenter la kill cam, c'est tout ce que je vais essayer de faire. La victoire est proche. Allez, on prend vite fait, c'est. On sécurise. Allez. Allez, hop. Allez, on prend les bases. Voilà. Position verrouillée, tenez vos positions. Dewey ennemi en approche. Non, ce sera pas la kill cam, ça m'étonnerait en tout cas. Oula, ou ça va être chou là de faire une kill cam avec ça dans les airs. Non, je pourrais pas. À moins que j'étais le dernier à faire un kill, mais je crois pas. Hein. Bah, je suis flash à la fin, voilà. Bon, alors c'est quoi la kill cam? Ah bah oui. Bah attendez, c'est un. Ah oui, ça c'est un truc par contre bizarre sur Black Ops, il gère bizarrement les killcam parce que ça, vous voyez, on a gagné et c'est un ennemi qui fait la killcam. C'est peut-être le concept de Black Ops, mais je trouve ça bizarre qu'un ennemi fait la killcam de l'équipe qui a gagné en face quoi. Bon, et ben je crois qu'on a fini, hein. Écoutez, c'était bien sympa. Je vous prépare aussi un mode survie sur MW3. Je voulais le dire, voilà, je l'ai dit sèchement, mais fallait le dire. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit, hein. C'est tout. Bon bah voilà, peut-être prochaine vidéo sur comment ça s'appelle, Code 4. Et sinon, bah, peut-être Battlefield où on verra. Bon bah voilà, je tiens à remercier rapidement les. Combien j'ai d'abonnés? 90 abonnés, je crois. Je tiens à les remercier. Et n'oubliez pas qu'à 100 abonnés
ou aux 300 000 vues de la chaîne, je ferai une vidéo détente d'1 heure sur Skyrim. Ça sera vraiment sympa. Bon, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, c'est gratuit, ça prend pas beaucoup de temps. Et puis voilà. Donc c'est tout, je vous dis salut et au prochain numéro. Bye tout le monde.